qu'est-ce qui est mijoté, sorcière? Pas si fort, parbleu! Il a dit à Hercule qu'elle préparait une potion spéciale. Spéciale comment? Est-ce que j'ai l'air de savoir? Sors le truc! Ah, le truc! Les effets sont très puissants. Et pas touche virus. Personne ne doit y toucher, ça pourrait faire des jaloux. Oh, t'as entendu ça? Non, c'est vous qui avez le cornet. Oh. Il faut pas y toucher. Mais nous, on est des pirates. Et des pirates, ça fait ce que ça veut. Ajoutez un poil de rat et bien mélanger. Oh, oh non, j'en ai plus. Oh. 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 Je pourrais peut-être mettre des poils de cochon au lieu d'un poil de rat. Oh, c'est presque la même chose. Tu vois, ça fonctionne. Et voilà. Je ferais mieux de la cacher, cette potion-là. Attention, elle arrive! À pas bord toute! Nous! Ah. On est les rois du camouflage. On s'est fourni. Ah oh, espèce de matou de malheur. Va voir ailleurs si j'y suis. Je l'ai. Je me demande quelle sorte de potion c'est. La sorcière a dit que ça ferait des jaloux. Les effets sont sûrement extraordinaires. Peut-être qu'elle rend invisible. Non. Magique. Imagine, je pourrais enfin mettre la main sur ce qu'il y a de plus précieux à Salmigondi, à moi le plus gros trésor. À nous, capitaine. Mais laissez-moi le gorger. Alors, comment vous vous sentez? Très bien. Je me sens léger, léger comme un oiseau. Vous allez pas vous envoler quand même. Capitaine. Jingo. Jingo. Il est pas là. Il est parti avec Baragouin pour la journée. Oh, dommage. C'était mon candidat idéal. Je me cherche un chauffeur substitut. Pour conduire le Bipsou? En plein dans le mille. S'il m'arrivait quelque chose, il faut que quelqu'un puisse la conduire pour venir me secourir. Oh, je connais quelqu'un qui ferait une super bonne apprentie. Pas Lilywatt, j'espère. Je ne lui fais pas confiance. Mais non, je te parle de moi. Toi? Oui, j'aimerais ça, apprendre à conduire. Je ne sais pas trop, Cricri. Dis oui. Je vais être une super bonne élève. Et tu sais, les carrosses et les princesses, c'est fait pour s'entendre. Oh, s'il te plaît! Bon, d'accord. Mais interdiction de conduire avec des talons hauts, ce n'est pas sécuritaire. Oh, mais une princesse n'est rien sans ses chaussures de bal. Tant pis alors. D'accord, je vais les changer. On se revoit ici dans 5 minutes. Oui, oui, oui. Et oh! Où est-ce que vous allez? Tu sens ça, Filou? Oh, ça sent le parfum de la princesse. J'ai
Alors... Qu'est-ce que vous faites ici, vous deux? Circulez! Y a rien à voir. Circule toi-même, le pompier. Ce n'est pas toi que je viens voir. C'est ma cri-cri qui sent la rose des mers. Votre cri-cri? Bon, je ne sais pas ce que tu mijotes, Mathurin, mais je t'ai à l'œil. Vous surveille. J'étire que ça va, capitaine. Oh, enlève tes sales pattes. Je veux bien paraître devant ma princesse. On dirait que la potion a un drôle d'effet sur vous. Cri-cri, un nom si beau, si pur, si... Cri-cri. Oh, cacahuète, c'est sûr que c'est la potion. Il faut que je trouve Lilywatt. Attendez-moi ici, capitaine. Ne bougez pas. Hein? D'accord, d'accord. Personne ne m'empêchera d'aller vers toi, ma toute douce. Oh. Oh. Ohé, ma princesse! Laissez-moi sentir encore votre doux parfum d'été. Qui est là? Votre humble serviteur, ma tendre morue d'eau douce. Morue d'eau douce? Burk! Qui ose m'appeler comme ça? Toi? Va-t'en d'ici tout de suite! Qu'est-ce que tu fais? Oh, princesse! Votre voix est comme une bouffée d'air pur. Votre peau est plus blanche que du lait sûr. Votre sourire transforme mes jambes en guenilles. Bientôt, je vais marcher avec des béquilles. Ah! Va-t'en d'ici, j'ai dit! Non. Ne criez pas, cri-cri. On ne se moque pas d'une princesse, c'est interdit. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu crier. Fiche le camp, tu vas gâcher mon moment avec la belle. Ne craignez rien, ma sirène. Je m'occupe de l'écrevisse. Un instant, capitaine. Je voudrais me dire quelques mots à Crinoline. Bon, ça va. Ma t'as bu une potion chez Lilywatt, c'est pour ça qu'il est complètement zinzin. Une potion? Une potion de quoi? Je sais pas. Lilywatt n'est pas chez elle et je la trouve pas. L'as-tu vue, toi? Non. Il faut vraiment que je lui parle. Bon, allez, ça va maintenant. Laisse-moi avec ma perle. Je promets de revenir avec beaucoup mieux. Mais je ne veux pas de tes cadeaux. Toi, tu es mieux d'arranger ça, et vite. Il va finir par me donner des boutons. Oh, attendez, princesse! Ah, oh, parbleu, tu l'as fait fuir. Mais vous en faites pas, vous allez la revoir. Vous devriez venir au bateau. On pourrait... comptez votre or. Non, pas maintenant. Il faut que je trouve un vrai cadeau pour ma sirène. Oh, nom d'une pierre chaude. Mais oui! Oh, aïe! Amour. Aïe! Attendez-moi, capitaine! Aïe! Je suis prête. Pas si vite. On ne touche pas au volant tout de suite. Allez. Oh. On va tester tes connaissances. Tu reconnais ce panneau? Facile. Traverse de jouets, arrêt obligatoire. Oui, 10 sur 10. Maintenant, celui-ci. Danger, pirate dans les environs. Bravo. Et celui-là. Ralentissez. Moins vite. Non, je sais. Pas si vite, on se calme. Parfait. Je t'avais dit que je serais une élève modèle, hein? Bon, maintenant, on va faire comme si tu conduisais le bipsou, mais sans lui toucher. Tu veux que je fasse semblant de conduire? Affirmatif. Chauffeur substitut, en position. Avance lentement. Tourne à gauche. Tourne à droite. Reviens vers moi. Allez. Stop. Bon, maintenant recule un peu. Je suis douée, hein? Disons que ce n'est pas mal pour une première fois. Alors, je peux conduire pour vrai maintenant? Pas tout de suite. C'est long, hein? Qu'est-ce que vous faites? Le bipsou est en panne? Lilywatt, faut que tu parles à Philou. Ma, t'as fait une grosse bêtise. Il est trop bizarre. Bizarre comment? Il n'arrête pas de dire des sornettes. Dépêche-toi, il est insupportable.
Luc d'habitude. Je vais lui régler son cas, moi, ce pirate de malheur. Non. Il y a juste Liliwak qui peut faire quelque chose. Mais je pense qu'ils sont allés chez toi. Oh, les bandits! Hercule, appelle Filou, j'ai deux mots à lui dire. Filou, rentre chez Liliwak immédiatement. Chez Liliwak immédiatement. Allez, 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 allez! Saleté de pirates, ils ont volé ma potion! On peut continuer maintenant? Minute! On ne conduit pas tout de suite, j'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a encore? Liliwak, on veut tuer là! Voleur, vous avez pris ma potion! Attends, c'est pas moi, c'est le capitaine! Je te crois pas, tu étais avec lui. Pas vraiment. Peut-être un peu, mais c'est pas moi. C'était son idée. Bla 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 bla. Vide tes poches. Et je l'ai pas. Vide tes poches. Et ton sac aussi. Pose-toi, virus. Et ça, c'est quoi? C'est juste un cornet. Un cornet? Oui, pour écouter ou pas. Tiens, tiens, drôle de coïncidence, hein? Je te conseille de tout avouer, Filou! D'accord. On t'a espionné. On est rentré chez toi. On a volé ta potion, mais c'est pas moi qui l'ai bu. C'est le capitaine. Jurez craché. Verrunoir, ma potion vainqueur! Mais ta potion vainqueur, elle rend amoureux? Bah non! Elle rend chanceux. Celui qui la boit est assuré de gagner à n'importe quel jeu. Mais le capitaine n'est pas devenu chanceux. Il est devenu amoureux. Et de crinoline en plus. Quoi? Impossible, j'ai suivi la recette à la lettre. Quoi? Quoi? J'avais oublié que j'ai changé un petit ingrédient. Et? En mettant des poils de cochon rose au lieu d'un poil de rat, j'ai fait un filtre d'amour. Oh, cacahuète! Mais on peut pas laisser le capitaine comme ça. Il doit y avoir un antidote, hein? Tu vas faire ça tout de suite, hein? Liliwak? Non. Vous avez volé ma potion, eh bien débrouillez-vous maintenant. Mais il y a juste toi qui peux m'aider. S'il te plaît, fais quelque chose. Ça vous apprendra à voler une sorcière. Ah! Et bonne chance avec ton capitaine amoureux. Mat amoureux, faut absolument que je vois ça. Monsieur Adonis. J'ai une surprise pour vous! Qu'est-ce que tu veux encore? Oh, ma beauté! Votre bouée vous va merveille! Ce n'est pas une bouée, et c'est ma tenue d'entraînement. Hercule a dit que les bords de ma robe auraient pu se prendre dans les roues du Bipsou. J'espère que ce petit cadeau va vous permettre de retrouver le sourire. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, mais j'ai l'air d'une sirène. La plus belle des sirènes. J'aurais voulu faire mieux, mais votre beauté est impossible à reproduire sur papier. Ça alors, c'est original. Décidément, tu m'étonnes vraiment aujourd'hui, Matt. Et ce n'est pas terminé. Votre gentillesse m'inspire d'autres délicatesses. Ah non, moi, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est toi. Moi quoi? Toi, Matt. Une princesse ne peut pas être avec un pirate, tout le monde sait ça. Pourquoi pas? Si tu lui étais un prince, ce serait différent, mais il faudrait que tu sois plus propre et noble aussi. Excuse-moi, mais j'ai un rendez-vous avec Hercule. Nom de quelle marbrie! Elle va voir que je suis prêt à tout pour lui plaire. Tout! Encore lui. Il n'est même pas beau ton casque. Peut-être pas, mais il est sécuritaire. Je ne voudrais pas que tu te fasses mal à la tête. Et je suis certain que Matt te trouverait très belle s'il te voyait. Ce n'est pas drôle. Pour une fois que quelqu'un veut me charmer, il faut que ça tombe sur un pirate. Je suis vraiment malchanceuse. T'en fais pas. T'es peut-être malchanceuse, mais... Et la princesse la plus courageuse que je connaisse. C'est vrai? Très vrai. Maintenant, installe-toi au volant du Bipsou. Chouette, 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 chouette! Stop! On ne bouge plus.
n'avance pas tant que je n'ai pas donné le signal, mademoiselle. Je peux y aller? Oui, mais avant, il faudrait que... Oh, d'accord, vas-y. Ralenti. Vas-y doucement. C'est bien, ok. Attention, oui. Ralenti. Oui, mais ralenti. Oh, 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 stop. Stop, stop. Hé, hey, oh, 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 oh. Hey, 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 hey. Stop, j'ai dit stop, crinoline, cri, cri. Fait que t'es étourdi. Oh, 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 oh. Hercule, ça va? Ça tourne. Oh, ça tourne. Laisse-moi entrer, s'il te plaît. D'accord, je te donne une minute. Lilliput, il faut que tu m'aides. Ah ouais, et pourquoi j'aiderais quelqu'un qui a volé ma potion? Parce que... J'ai peur que le capitaine me chasse du bateau. Pourquoi il ferait ça? Et s'il reste amoureux de Crinoline, il voudra plus de moi et j'aurai plus de place. Et plus de capitaine. Et j'aurai plus rien du tout. C'est bon, je vais t'aider, mais j'hésite entre trois contresorts. Il va falloir que je les teste sur toi. Oh, cacahuète. Des situations maîtrisées. Je croyais que t'allais t'évanouir. C'est parce que j'ai conduit trop vite? Non. C'est juste que... Pfiou. Alors tu vas me donner mon permis? J'ai conduit sans même me casser un ongle. Pas tout de suite. Tu dois d'abord faire le test de la grande route. La grande route? Oh oui, je veux y aller. Non, pas maintenant, j'ai encore le tournis. Oh, c'est jamais tout de suite. Je suis tannée d'attendre, moi. Hé, hey, le chauffeur de pipe machin, éloigne-toi de ma sirène de douce. Hé, oh, Mathurin, qu'est-ce que tu veux? Oh, oh, monsieur s'est mis beau pour la princesse. Ma crevette adorée, pour te prouver mon amour, j'ai décidé de t'offrir ce que j'ai de plus précieux. Oh, ciel d'arc-en-ciel! Je sais. N'accepte pas, Cricri. C'est sûrement un piège. Oh, tais-toi, jaloux. Tu me donnes des bijoux? N'oublie pas qu'il n'est pas lui-même. C'est la potion qui le rend zinzin. On ne sait pas. Peut-être qu'il va toujours rester comme ça. Moi, je l'aime bien, le nouveau Matt. Oh, je resterai toujours ici, alors. Oh, tu vois? Il est vraiment charmant. Moi qui rêvais d'un prince. Peut-être que tout ce temps, il était ici, à Salmi-Condi. Eh oh, Cricri! C'est Mathurin, le pirate grincheux et mal commode qu'on a toujours connu. Es-tu tombé sur la tête ou quoi? Tu sauras que tout le monde peut changer pour gagner le cœur d'une princesse. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Non. Mathurin. Allez, Matt, viens avec moi. J'arrive, ma douce. Stop. 10, 11, aide demandée, je répète, aide demandée. Mon bipsou. Et c'est pas... Le bon contre-sort. C'est... Ça me gratouille. Il est trop le nez. Tu as raison, c'est sûrement pas la bonne formule. Je vais en essayer une autre. Grognorus, grognorum, amplificatus extremus, j'adore. Et puis, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu dis? Je comprends pas. Oh, tu es trop mignon. Tu serais jolie tout en rose. Ça va, je vais annuler l'effet. Effacez-vous, mes façades. Ordinarus, ordinarum, chasseur. Je suis normale. Mais quoi? Pourquoi tu ris? C'est pas drôle. J'ai beau aimer mon capitaine, mais je sais pas si je suis... T'en fais pas. Je sais quel contresort utiliser, j'ai même pas besoin de le tester. Mais tu viens juste d'en tester trois sur moi. Oh, tu m'as fait marcher. Bah, c'était juste pour m'amuser un peu. On s'est bien amusé, non? Non! Oublie pas que c'est un peu de ta faute, tout ça. Si vous n'aviez pas volé ma potion... 10-15, ça marche, le général! Filou, filez-moi! Filez vite! Qu'est-ce qu'il y a? Crinoline et Mathurin se sont enfuis en pipsou. Il faut absolument les retrouver. 10-35, appel de renfort, c'est urgent. Vous faites le tour des maisons. Moi, je vais fouiller le boisé. Retour à la base dans 20 minutes.
Allez, 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 allez! J'étais certain que je les retrouverais dans le boisé. Ils sont nulle part. Tout à coup que le capitaine ne revient jamais. Bien. Au moins, on serait débarrassé de cette canaille. Mais non, Philou, c'était juste une mauvaise blague. On va le retrouver. Mais ils sont pas ici, pas dans le boisé, pas chez Crinoline. Et c'est vrai qu'on a regardé partout. Oui. Mais pas partout, partout. J'avais eu autant de bijoux. Ils vous vont à ravir, ma perle d'eau douce. J'adore quand tu me parles comme ça. Promets-moi que tu ne redeviendras pas le vieux mat crinchu d'avant. Parbleu, si j'ai pour m'éloigner de vous, jamais. Ah, capitaine, vous êtes là? Stop, on ne bouge plus. Ne touchez pas à mon mat. Ton mat? Cri-cri, tu te rends pas compte de ce que tu dis. Ouais, et c'est pas ton mat, tu sauras. Mais lâche-moi tout de suite. Libératus, confiscus, metamorphosus, chasa. Nom d'une crevette en jupette, pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai l'air d'un divan! Qu'est-ce que vous faites ici, bande de tétards? Capitaine, vous êtes redevenu vous-même! Pat, tu ne te souviens de rien? C'est moi, ta sirène doudou. Qu'est-ce que la poupée fait avec mes bijoux? Redonne-moi ça, volette! C'est toi qui me les as donnés, espèce de pirate mal élevée! Rendez-moi tout de suite! Pas question! Donnez ces données! Qui m'a les draguer ici tout de suite? Ça t'apprendra à jouer les amoureux et à te déguiser en prince charmant. Comment t'as pu les laisser faire ça? Et c'est pas ma faute! C'est à cause de la potion que vous avez bu chez Lilywatt! Tant pis pour toi, voleur! À ta place, je me trouverai une autre excuse! Philou! Viens tout de suite au bateau! Le capitaine est vraiment redevenu lui-même! Oh oui, pour le meilleur et pour le pire! Oui!